All attendees are in listen-only mode. Bonsoir tout le monde, bienvenue à la téléconférence de ce soir. Je m'appelle Wim Lievens et ce soir je vais vous présenter 15 outils qu'on a dans la plateforme. Je vois qu'il y a déjà quelques questions, j'essaierai d'y répondre tout à l'heure. La plupart d'entre vous, vous connaissez le système, ceci est une téléconférence. Vous avez la possibilité de poser des questions via le question-réponse. Le PDF de la présentation avec mes coordonnées, bien évidemment, seront dans le mail demain que vous allez recevoir. Et si par après, il y a des questions, surtout, n'hésitez pas. D'accord ? Le sommaire d'aujourd'hui, simple, comme toujours, une introduction sur Self-Invest, et puis on va tout de suite attaquer les propositions de traders. En fait, il y a une liste d'outils et une liste d'indicateurs créés par des clients à nous, hein, des demandes, et qu'on trouvait assez intéressant et qu'on a incorporé dans une de nos plateformes. Self-Invest, bon, il y a déjà énormément d'informations sur le site, mais on est en France maintenant depuis 15 ans, avec une gamme très large de produits, futurs, Forex et CFD. Je dirais à 95% des gens comme vous et moi, des traders privés, avec un intérêt, une passion pour les marchés. 5% évidemment aussi de institutionnels. On a bien évidemment tous les documents nécessaires, ce qui veut dire qu'on est un courtier français, européen, ce qui nous oblige d'avoir l'argent de nos clients doit toujours être sur des comptes en banque, de banque dépositaire. Vous voyez quelques exemples. Et bien évidemment, cela veut dire si jamais il se passerait quelque chose avec Self-Invest ou avec une de ces banques, chaque compte individuel est assuré pour un montant de 100 000 euros. On a des bureaux un peu partout en Europe et on est surtout connu pour être le courtier des traders, je dirais semi-professionnel, professionnel, avec un service qui est excellent. Je vais en rester là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voici le site et tout de suite avec une flèche vers le sujet d'aujourd'hui, les 15 propositions de trader. Ce que je vais faire pendant la présentation, je vais parcourir ces propositions avec vous et tout de suite les montrer dans la plateforme de trading. Voilà. En fait, ce sont des outils, des indicateurs qui sont proposés par des clients. Il y en a là-dedans qui sont déjà assez classiques, mais quand même qu'on a peut-être reparamétré ou adapté un tout petit peu. Ceci veut aussi dire que continuellement, constamment, s'il y a des indicateurs, des idées de nos clients qu'on juge vraiment intéressants, et si bien évidemment le client est d'accord, on est constamment en train de programmer, améliorer les outils pour la plateforme. D'accord ? Si vous êtes utilisateur de la plateforme, ces indicateurs et ces outils sont gratuits. Et si bon, jamais vous avez une question là-dessus, vous pouvez me contacter ou contacter le desk. Voici la liste. Il y a en fait des outils et des indicateurs. D'accord. Maintenant, il y a des choses, encore une fois, là-dedans, que vous allez sûrement déjà connaître, mais souvent, ils sont paramétrés, changés, juste un tout petit peu. La visualisation s'est améliorée un tout petit peu. Bref, je vous laisse juger, enfin, je vous laisse regarder ça vous-même. Je vais regarder, voilà, on va commencer tout de suite. Je mets maintenant le site. Regardez, voilà. Je vais ici sur les propositions, parce que
tout est expliqué sur le site. Je clique et voilà la liste. D'accord? Maintenant, on va commencer avec des outils simples comme par exemple la délimitation journalière. En fait, c'est un outil qui se trouve aussi dans ProStation, mais enfin, beaucoup de gens qui étaient sur ProStation avant et qui ont fait le pas vers FuturStation, l'autre plateforme, qui ont aimé ça. Et moi, je dois vous dire, personnellement, je le fais aussi parce que visuellement, surtout sur le graphique de 60 minutes, c'est très pratique puisque tout de suite, vous voyez où la journée commence et où elle se termine. Et enfin, c'est juste, je dirais, un petit outil très simple, mais que personnellement, j'apprécie beaucoup. Ceci, moyenne mobile déplacée, c'est quelque chose que pas mal de traders ne connaissent pas. En fait, tout le monde connaît la moyenne mobile, mais il y a pas mal de stratégies qui existent où on va déplacer la moyenne mobile dans le futur, vers l'avant. Ce qui fait parfois, ou ce qui donne parfois des signaux intéressants. Je vais vous montrer un exemple sur la plateforme. Je prends maintenant la plateforme. Voilà. On va prendre, ouvrir un graphique. Bon, prenons quelque chose qui bouge maintenant. Peut-être les marchés américains. Prenons le mini Nasdaq, par exemple. Hein? Je peux prendre n'importe quoi, c'est juste pour vous le montrer. Voilà, le contrat. Ok. On va prendre une étude. Voilà. Graphique, 5 minutes. D'accord? Très simple. Rien de spécial. Voilà. Maintenant, tous ces outils, ces indicateurs, vous allez les trouver dans les modèles études. Et regardez bien. Oh là, je vais le refaire. Modèle études, ici, et ils sont là. Maintenant, regardez bien. En dessous de WHS Proposals, vous voyez les screeners, les signaux. Il y a maintenant aussi une boutique dans laquelle vous pouvez acheter des stratégies de traders connus. Il y a aussi déjà 45, presque 50 stratégies préprogrammées. Hein, tout expliqué sur le site, mais ce soir, je vais parcourir la liste que vous trouvez là. Voilà. Maintenant, le premier, en fait, c'est le Displaced Moving Average Tool, c'est-à-dire la moyenne mobile qu'on peut déplacer. Je clique dessus et voilà une valeur simple. Hein, je vais agrandir un peu. Voilà, vous voyez ici cette ligne noir qui en fait hein, se met en place. Je clique ici, voilà, et là je peux évidemment adapter enfin, l'unité de la moyenne mobile, mais aussi le shift dans le passé ou dans le futur. Cet outil est normalement utilisé dans le futur, ce qui va me donner une valeur positive. Une stratégie très connue, enfin, qui est connue quand même, c'est où on prend une moyenne mobile de 5 et on l'avance. Regardez bien la ligne. Attendez, tuer les flèches là. Voilà. Regardez bien la ligne, hein, la ligne noire, dans le futur. Et ce qu'on fait souvent, enfin, c'est une stratégie qui est quand même assez populaire, c'est-à-dire on va par exemple utiliser une moyenne mobile de 5, déplacer dans le futur de 3 périodes, hein, 3 unités, et chaque fois qu'il y a un croisement du prix ou de la bougie, clôture de la bougie par rapport de cette moyenne mobile, on va acheter si c'est à la hausse, vendre à découvert dans la baisse. Ceci est la stratégie la plus, enfin, je dirais la plus
connue en ce qui me concerne sur la displaced moving average ou la moyenne mobile qui est dans le futur. On continue un peu dans notre liste. Et là, les grandes bougies. Ici, bon, tout le monde connaît des bougies, ce qu'on appelle des bougies monstres, hein, des bougies importantes. Ici, l'idée est venue d'un trader très connu en Allemagne, Erdal Cener, en fait, qui a développé une méthode, enfin une de ses méthodes, quand il y a dans un mouvement une bougie monstre, que c'est souvent la fin d'un mouvement ou d'une correction. Ça, c'est son idée. Maintenant, mon idée personnelle là-dessus, c'est que quand on a une bougie monstre au début d'un mouvement, souvent, c'est-à-dire juste quand il y a eu un retournement dans un sens ou dans l'autre, souvent, c'est le début d'un mouvement par après. Par contre, s'il y avait déjà un mouvement ou une correction avant, comme Monsieur Chen le dit, souvent, cette bougie, c'est le début de la fin et que le marché risque de se retourner. Comment ça se présente sur la plateforme? Ben, très simple. De nouveau, je vais répéter ça comme ça, vous allez voir. Chaque fois, je vais dans ce folder, je vais chercher les proposals. Et maintenant, regardons. Big Candles Tool, c'est celui-là. Je clique. Et voilà. Partout où il y avait une bougie importante, vous voyez clairement sur le graphique cette ligne verticale. C'est aussi simple que ça, mais assez intéressant à voir. On continue. Ceci est très intéressant. Ça, c'est l'outil barre intérieure et enfin, ce qu'on appelle en anglais inside and outside candles. Et ben, il y a parfois enfin, un malentendu ici parce que inside candle, souvent, on pense que c'est une bougie qui est à l'intérieur de la bougie précédente, ce qui est vrai. Mais un trader allemand, Voigt, a développé, je dirais, un signal, si vous voulez, de retournement, qui est intéressant. Hein, parfois, on cherche chaque fois des signaux de retournement, et ceci est assez intéressant. Voilà comment ça fonctionne. En fait, Monsieur Voigt parle de deux bougies. Il n'y a que deux bougies. Il y a des bougies extérieures et des bougies intérieures. Comment il fait? En fait, il prend la première bougie extérieure, et je reviendrai là-dessus, enfin, ce que ça veut dire, mais il prend le haut et le bas de cette bougie ou de cette barre. Comme vous voyez sur le dessin, la bougie numéro 1. Maintenant, chaque bougie qui clôture à l'intérieur de ce range, c'est-à-dire le point le plus haut ou le plus bas de cette bougie, est considérée comme une bougie intérieure. Et en fait, dans sa philosophie, ne compte pas. C'est-à-dire, vous regardez bien ici sur le dessin, la deuxième bougie verte, et puis il y en a une troisième, une quatrième, une cinquième, et la sixième qui est une verte aussi. Toutes ces bougies sont des bougies intérieures. Pourquoi? Parce que la clôture est chaque fois dans le range. Et puis, il y a cette grande bougie, la septième, si vous voulez, qui manifestement va clôturer en dehors du range et qui est à ce moment-là une bougie extérieure et qui sert souvent de bougie de déclenchement. Important à savoir, c'est que cette bougie extérieure
redevient maintenant la bougie qui va mesurer des bougies consécutives. C'est-à-dire que la bougie 1 ne compte plus comme bougie de référence, c'est maintenant la septième bougie qui compte. Maintenant, je sais que ceci, si vous devez le faire, je dirais, mentalement, comme ça, essayer de le voir, c'est assez difficile. Maintenant, si vous mettez l'outil, évidemment, ça devient plus visuel, plus simple. Ceci est vraiment quelque chose qui commence à avoir du succès. Enfin, et parce qu'il a écrit un livre très très connu en Allemagne, et ce concept est intéressant. Proposals, regardons. Il est où? Insight Barth Tool. Voilà, je clique. Regardons. Je prends n'importe où, hein, dans le graphique. Voilà. Regardez. Voyez? Bougie de référence, hein, ici. Attendez, je vais essayer de vous le dessiner. Ça va être plus simple. Regardez par exemple ici. Voyez? Ça, c'est la bougie de référence. Et là, vous avez toutes ces bougies qui, en fait, ne comptent plus. Et quand cette bougie ici, hein, là où vous voyez la ligne, ici, la ligne grise, là, c'est la prochaine bougie extérieure. Surtout, quand vous êtes à la recherche de bougies, ou de, pardon, de signaux de retournement, ceci est un outil très intéressant. D'accord? C'est quelque chose que, enfin, moi, c'est un concept que, lors des séminaires, j'en parle régulièrement. Attendez. Voilà. OK. Continuons. Inside, outside, bars. D'accord. Déplacer le graphique. Ceci aussi, un outil de chain qui permet, en fait, si vous avez des instruments financiers où il y a eu un gap important, c'est de éliminer le gap. Maintenant, je vous dis honnêtement, moi, je ne le vois pas ici. J'ai été même à des séminaires, des stages avec Chain. Il en a parlé aussi. Personnellement, je préfère, moi, de voir le gap. Mais c'est tout à fait personnel. Si vous voulez clôturer le gap pour peut-être arranger vos graphiques, vous pouvez le faire avec cet outil. Chose que j'utilise au quotidien, c'est la coloration de la moyenne mobile. En fait, et ça, je parle maintenant d'un point de vue personnel, je trade avec très peu d'indicateurs. Et un des seuls indicateurs, en fait, que j'ai sur le graphique, hein, je trade évidemment avec du support et des résistances et tout ça, mais ça c'est plutôt visuel. Mais le seul indicateur en fait que j'ai sur le graphe, c'est la moyenne mobile 20. Parce que je trade toujours dans le sens de cette moyenne mobile. Enfin, quand il y a un sens. Et le fait d'avoir une ligne qui est colorée, enfin, me rend la vie un peu plus facile. Et voilà, c'est simple, mais c'est quand même bien d'avoir ça. C'est parce que le trading, enfin, en ce qui me concerne, est quand même très visuel et important. Celui-ci est l'outil moment dans le temps. J'aime bien. Et quand j'ai préparé la présentation aujourd'hui, je me disais, tiens, ça, je dois quand même l'utiliser. Pourquoi? En fait, si on est trader intraday, soyons honnêtes, il n'y a que certaines heures, enfin, des périodes pendant la journée qui nous intéressent réellement. Et personnellement, je ne trade jamais avant 9 heures et jamais après midi. Et ça pourrait m'intéresser de voir comment ou quelle amplitude ou quel mouvement le marché fait pendant les heures de 9h à midi, par exemple. Et avec cet outil, on peut le faire. Je vous le montre. Voilà. Je clique ici.
Voilà, proposition. Et average daily range, ça c'est pas ça. Bollinger, non. Il y en a. Ça c'est pas ça. Displaced, ça, displaced moving average. Donkian, c'est pas ça. Fibonacci, inside. Ouais, il y en a. Point in time tool, c'est celui-là. Ouais, je dois réfléchir un peu. Voilà. Très simple. Maintenant, c'est paramétré à, regardez ici, à gauche, 8h à 10h, ce qui évidemment ne m'intéresse pas. Je prends, attends, je vais changer ça à la main, 9h et midi, par exemple. Ici, évidemment, on est sur le mini Nasdaq, ça ne m'intéresse pas. Alors, qu'est-ce que je mets? Je mets 15h, par exemple, et je mets 17h. Voilà. Et maintenant, j'ai les mouvements pendant, maintenant évidemment, les marchés américains sont pas, voilà, et je regarde un peu les mouvements qu'il y a pendant ces périodes. C'est ça qui m'intéresse. Puisque le reste, en fait, ne m'intéresse pas. Si je suis vraiment aussi, par exemple, dans le Forex, ceci, si vous voulez trader des paires comme le yen, par exemple, ou le dollar australien, il est intéressant parfois de regarder le graphique et de dire, OK, maintenant je veux voir certaines unités, certaines périodes, je veux clairement voir tout de suite ces deux lignes et dire, OK, est-ce que le marché bouge bien pendant ces périodes? Je vais vous donner un autre exemple, le pétrole, par exemple. Le pétrole bouge énormément après 15 heures. 15 heures jusque 18 heures, ce sont les trois meilleures heures pour le pétrole. Si vous voulez, enfin, trader un certain instrument, il est intéressant parfois de le regarder ainsi. D'accord? Alors, on continue. Les indicateurs, le moment journalier de plus haut et plus bas, c'est-à-dire de savoir, regardez ici enfin, l'outil, de dire entre un tel et un tel heure, quel était le point le plus haut et le plus bas. Maintenant, je vous donne deux exemples pratiques, comment, enfin, des stratégies je connais, et il y a une de ces deux que j'utilise vraiment personnellement, et ceux qui ont déjà suivi des séminaires avec moi le savent, aussi quand je fais du trading live, je n'ai pas beaucoup d'indicateurs sur le graphique, mais celui-là, je l'ai. Premier exemple, pour le DAX par exemple, et pour le CAC, j'ai toujours le range sur le graphique entre 8h et 9h du matin, toujours. C'est un peu le pre-market, si vous voulez. Mais souvent, si le marché casse, mais échoue et repart dans l'autre sens, c'est important. C'est-à-dire, si le marché se trouve en dessous ou au-dessus de ce range de 8 à 9 heures, c'est-à-dire le point le plus haut et le plus bas entre 8 et 9 heures, c'est souvent la direction pour, en tout cas, la matinée. Enfin, quand l'Amérique ouvre, c'est un autre débat, mais ça c'est important. Je fais exactement la même chose sur les marchés américains entre 2h30 et 3h30. Évidemment maintenant, faites attention puisqu'il y a un décalage d'horaire, mais le principe c'est d'avoir ce range une heure avant l'ouverture du marché. Ça c'est un exemple, comment vous pouvez utiliser cet outil. Deuxième exemple, c'est sur le Forex. Par exemple, l'eurodoll ou la livre contre le dollar. Souvent, ce sont des marchés qui ne bougent pas beaucoup la nuit, c'est-à-dire entre minuit et 8 heures du matin. Ce sont des marchés qui sont, je dirais, très calmes. Il y a des petits ranges. Et là, si vous mettez l'outil sur l'eurodoll, par exemple, entre minuit et 8 heures, vous avez un range assez fin, et quand il y a une cassure dans un sens ou dans l'autre, on peut prendre position. Ça c'est je dirais, une technique qui est assez classique pour le Forex. Moment journalier, plus haut, plus bas.
intéressant. Enfin, je trouve ça vraiment un outil qui est bien et que j'aime bien utiliser. Ceci est connu. Le MACD histogramme se trouve dans pas mal de plateformes. Pour une raison ou pour une autre, ça se trouvait pas dans la future station. Ben voilà, on l'a mis. Le histogramme clarifie un tout petit peu quand même ce qui se passe. Et souvent, pas toujours, mais souvent, le signal sur l'histogramme est une fraction avant le signal du simple MACD. Voilà, c'est une demande qu'on avait évidemment et qu'on a mis dans la plateforme. Ceci est un indicateur qui est assez vieux. En fait, il se trouvait pas dans la plateforme et à la demande de beaucoup de gens, on l'a mis. C'est le fameux canal Dunkin, en fait, qui est le plus haut et le plus bas d'un certain nombre de bougies. Il y a des stratégies très connues qui ont été développées sur cet indicateur, surtout la cassure vers le haut ou vers le bas du canal de fin jour, hein, sur les fameux turtle trading, hein, tortues, les traders tortues, c'était basé là-dessus. Des stratégies aujourd'hui que je vois encore régulièrement et aussi quand je fais la présentation swing trading en 10 minutes par jour, en fait, il y a pas mal de ces principes que, développés par Monsieur Smith, mais qui sont basés sur le même principe. Il y a des traders, chez Schäfermeier par exemple en Allemagne aussi, ce qu'ils font parfois, c'est que trader la cassure sur 20 périodes et après le gérer. Pas sur un canal de 20 périodes, mais sur 10 périodes. Des traders ou des investisseurs long terme, il y avait à l'époque des stratégies basées sur une cassure de 55 jours et gérées avec 20 jours le canal sur le stop. Des stratégies connues, indicateurs toujours populaires. Mettez-le pour, je dirais, des personnes qui aiment trader, je dirais, sur des unités de temps plus longs, ceci sont souvent des cassures intéressantes. Et si vous voulez en savoir plus là-dessus, dans le forum, le swing trading en 10 minutes par jour parle en fait de certaines stratégies qui sont appliquées sur cet indicateur. D'accord? Voilà. Le stochastique que tout le monde connaît, et vous savez tous bien évidemment que le stochastique sur juste je prends juste une question oui les indicateurs que j'ai mis et tout ce que je montre, en fait, quand on ouvre l'indicateur, le précédent ou celui d'avant, la plateforme vous fait une proposition. Parfois c'est 10 minutes, parfois c'est 60 minutes, mais bien évidemment, vous pouvez appliquer ça sur d'autres unités de temps. Ça veut dire que ce que j'ai montré juste avant ceci, hein, le Dunkin, on peut facilement l'appliquer sur 60 minutes. Les moyennes mobiles ou les bougies, les grandes bougies ou tous les autres indicateurs, vous pouvez appliquer ça sur n'importe quelle unité de temps. D'accord? Ok. Ici, stochastique. Normalement, vous connaissez le principe de stochastique. Il y a cette zone de au-dessus de 80 qui est suracheté, zone en dessous de 20 survendue, et en fait, on cherche des signaux là-dessus. Maintenant, ce trader qui a développé ceci, qu'est-ce qu'il a fait en fait? Il a créé, au lieu d'avoir ces deux niveaux, il a créé une ligne de signal lissée que vous voyez en rouge. Et chaque fois que vous avez, je dirais, un dépassement de cette ligne dans le bon sens, hein, vous pouvez voir la tendance et aussi souvent la tendance de la ligne, on peut rentrer en position. Quelle est maintenant la différence et l'avantage
de ce que ce trader a fait, c'est en fait que le grand problème que l'indicateur stochastique a, c'est quand le marché est fortement en tendance, par exemple haussier, la ligne ou le stochastique ne corrigera plus jamais. Elle restera au-dessus de niveau 80. Et le trader, enfin, c'est un indicateur qui a une valeur quand le marché monte et chute, mais quand le marché est fortement en tendance dans un sens ou dans l'autre, le stochastique, en fait, ne vaut pas grand-chose. À ce moment-là, vous ne pouvez rien faire avec. Et là, je pense que regardez ici cet indicateur-là, pour ça, il est meilleur. Juste à voir ce que vous faites, vous mettez le stochastique et puis vous mettez celui-là en dessous et vous regardez un peu les signaux, mais c'est pas mauvais du tout, c'est une idée intéressante. Ici, le RSI, la guerre, là aussi, RSI très connu, très populaire. Maintenant, qu'est-ce que ce monsieur a fait? Il a en fait rendu le RSI plus sensible au prix récent. Il a filtré quelque part, mais il met l'accent sur les prix plus récents. Et là aussi, regardez bien, vous avez de nouveau la ligne 20 et 80, mais vraiment, le RSI ici, il est lissé et puisqu'il est basé sur les derniers prix, en fait, il donnera des signaux plus clairs. Hein, parce que parfois les récits, ça peut quand même être assez chaotique. Maintenant, si par exemple on applique un filtre sur l'exemple ici, et on se dit, bon voilà, le marché est légèrement en hausse ou en baisse, et on prend que les signaux dans le sens de la tendance, ceci est un excellent indicateur, il est meilleur que le RSI, vraiment. Regardez ici l'exemple, on voit la tendance qui est ici légèrement haussière. Regardez les signaux intéressants. Marche pas toujours, vous voyez le deuxième, vous aurez perdu, mais quand même assez intéressant, plus lissé, quelque chose à regarder. Si vous êtes amateur de RSI, c'est un indicateur qui vaut la peine. Fibonacci, connu par beaucoup de gens, avec tous les niveaux ici, vous pouvez les appliquer tous ou certains. Avantage ici de l'outil, parce que souvent, le Fibonacci est tracé sur la fin de la bougie, de la plateforme. C'est-à-dire, vous voulez regarder le dernier mouvement et vous tracez le Fibonacci là-dessus. Ici, l'outil vous permet de le tracer où vous voulez aussi dans le passé. Et ça, c'est intéressant si vous voulez trouver des niveaux de support ou de résistance intéressants. Ça peut être, je dirais, un petit plus pour l'utilisation des Fibonacci. Les codes de ces signaux, non, la programmation ici est, je dirais, protégée. Par contre, si vous avez un indicateur ici et vous dites, oui, je trouve que il n'est pas mauvais, mais j'aimerais encore rajouter ceci ou cela. Vous faites votre demande au desk, les programmeurs le feront pour vous. Là, y a pas de problème. Mais il y a certains indicateurs qu'on doit protéger. On a aussi dû demander la permission quand même déjà à des gens pour le mettre. On peut pas comme ça le mettre ouvertement à tout le monde. D'accord? Ceci, Fibonacci, si vous voulez aussi regarder les niveaux dans le passé, je dirais une amélioration qui n'est pas mal. Bande Bollinger, très populaire, très connue. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait ici?
les bandes de Bollinger sont dynamiques. C'est-à-dire que les bandes vont s'écarter, devenir plus petites, ça monte, ça descend, enfin, soit. Ce qu'on a fait maintenant, ou ce que ce trader a fait, il a créé deux niveaux, 0 et 100, pour ne plus avoir des bandes dynamiques, mais pour avoir des bandes statiques. Et c'est-à-dire de visuellement voir beaucoup plus clair quand vous avez un croisement ou un dépassement des bandes de Bollinger en bas ou en haut. Et il en a même fait, il a même fait trois versions. Une version basée sur la clôture, basée apparemment sur le point de pivot. Honnêtement, je ne sais pas exactement comment c'est calculé. Par contre, weight, le poids, où il utilise une clôture pondérée, de nouveau, mettre plus de poids à la fin du mouvement, et il a créé, voyez, des oscillateurs 0, 100, où visuellement, on voit évidemment très clair quand réellement le prix passe dans un sens ou dans l'autre, et vous voyez en plus des bandes verticales, verte pour signaux d'achat, rouge, signaux de vente. Encore une fois, souvent, ces indicateurs, ces outils ici qui sont créés, sont visuels. Mais c'est, enfin, personnellement, je n'utilise pas beaucoup de choses, mais ce que j'utilise doit être très visuel. Parce que si ça devient trop compliqué, il y a trop de lignes, trop de couleurs, on se trompe trop souvent. Et ceci est encore une astuce d'un trader pour un peu faciliter le trading avec bande de Bollinger qui est très populaire et que on peut utiliser aussi de cette façon. Voilà les oscillateurs Bollinger. Celui-ci, plage quotidienne moyenne. Principe intéressant. En fait, quelle est l'idée derrière, je dirais, cet outil? On veut connaître l'ATR ou la volatilité sur une unité de temps. On veut la connaître parce qu'on veut savoir si le marché bouge beaucoup ou ne bouge pas beaucoup. Maintenant, ce que ce trader a fait est très intéressant. Regardez bien. Vous voyez, en fait, trois types de lignes. La ligne rouge, bleue et cette ligne grise qui monte et qui descend. Maintenant, la ligne rouge et bleue, en fait, c'est la volatilité sur 7 jours et sur 14 jours. Le ATR, en fait. Sur l'unité de temps que vous avez sur le graphique. Ça peut être une minute, ça peut être une journée. Ça n'a aucune importance. Mais ça vous dit, bon, voilà, sur 7 ou sur 14 jours, c'est autant. Maintenant, si une ligne est beaucoup plus loin que l'autre ligne, ça veut dire que la volatilité diminue les 7 derniers jours ou augmente les 7 derniers jours. Ça, c'est une première indication. Je dirais pas hyper importante, mais ça peut vous donner une indication. Par contre, ce qui est très intéressant ici, c'est que la ligne grise est la volatilité actuelle sur l'unité de temps. Et si vous regardez la différence entre la ligne grise et la ligne bleue-rouge, et il y a une grande distance, vous savez qu'il y a encore de la place, que normalement, l'instrument que vous regardez bouge plus, a une volatilité plus importante. Par contre, s'il a déjà dépassé les deux lignes, vous pouvez dire, oula, ça a déjà fortement bougé, peut-être c'est pas le moment d'entrer. Ça veut dire que les opportunités ici, bien évidemment, sont quand la ligne grise se trouve en dessous des lignes bleues et rouges,
parce que ça vous indique que il pourrait y avoir encore une volatilité qui va suivre. Encore une fois, ça s'applique sur 60 minutes, jour, comme vous voulez. Idée intéressante sur la volatilité ou l'ATR. D'accord? Voilà, je pense que ici, j'ai fait le tour. Maintenant, je vois qu'il y a des questions ici sur le scanning et sur, je vois, sur incorporer des indicateurs dans un programme. Si vous avez, je prendrai la deuxième question, si vous voulez incorporer des indicateurs ou à vous ou des indicateurs ici dans votre programme, vous le mettez dans un mail ou vous appelez le desk, ils regarderont ça, on va le paramétrer ou programmer pour vous. Encore une fois, l'étude, parce que ça s'appelle comme ça, ou le programme, si vous voulez, il se trouvera sur votre ordinateur. Il se trouve pas chez Self Invest et ça c'est une possibilité. Maintenant, le scanning est tout à fait autre chose, mais le scanning et le screening en fait se font sur base des petits programmes qu'on peut créer soi-même ou qui sont déjà créés dans la plateforme. Le scanning se fait en temps réel sur des petites unités de temps et je dirais maximum une quinzaine d'instruments. Le screening se fait même principe où on trouve certains setups, mais là c'est sur des unités de temps plus grands, hein, que je dirais à partir de 60 minutes ou plus. Et là vous pouvez le faire sur, je dirais, quasi tous les instruments. Vous pourriez par exemple prendre toutes les actions françaises, tous les CFD actions américaines, il y en a 1300. Le programme tournera pendant 20 minutes et vous donnera une liste avec tous les signaux de vente ou achat suivant les critères que vous avez mis en avant. Pour mettre en place je dirais, des méthodologies de scanning ou de screening, vous pouvez appliquer, pardon, contacter le desk ou me contacter moi. Et puis, on le mettra en place sur la plateforme suivant vos demandes. C'est pas très complexe. On me demande maintenant le taux de réussite de ces indicateurs. Ceci est une question qui pour moi est impossible à répondre. Un indicateur nous aide à regarder le marché. Si je mets la moyenne mobile colorée ou je mets la bougie inside ou quoi que ce soit, c'est, je dirais, un composant, un élément d'une méthodologie. C'est tout. C'est-à-dire que une moyenne mobile en soi n'a aucune, enfin, je dirais, n'a aucune valeur. Tout dépend ce que le trader fait avec. Ici, les outils, les indicateurs qui sont créés et qui sont souvent très simples sont juste là, comme je dirais, building block, un bloc à ajouter dans votre arsenal ou pour vous aider à trader. Mais un élément, je dirais, indépendant ici, ne vous fera pas perdre ou gagner. Ça, c'est pas le but. Voilà. Je pense que ici j'ai fait le tour. Je vais revenir à la stratégie. Oh, pardon, à la présentation. Voilà. J'ai clairement mis des slides et aussi des liens où vous pouvez trouver tout ça. Je vous ai mis tous les liens manuels de la plateforme, les films de la plateforme, programmation, etc. Tous les liens, j'ai mis à la fin, comme ça, vous ne devez pas, je dirais, chercher trop sur le site. Voilà,
Je pense que j'ai un peu fait le tour. Me reste à vous remercier pour votre présence ce soir et j'espère à une prochaine occasion. Au revoir.